région de l'Ouest, peuple de Bafoussam et ses environs. Oui, bien-aimés, ici, c'est votre émission Jésus revient. L'émission du réveil, l'émission des soldats de Jésus-Christ. Oui, ce soir, bien-aimés, je suis pour vous servir votre serviteur, l'évangéliste Boanerges, de la région de Bafoussam, de l'Ouest à Bafoussam. Mais je ne suis pas seul dans ce studio. Je vais ainsi donc introduire notre papa, notre leader, qui vient depuis le Bénin, l'apôtre Paul, à qui je vais passer la parole, qui va saluer le peuple de Dieu ce soir, avant que nous commencions toute chose en ce qui concerne la parole. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, cher, chaleureux peuple de Jésus. Ah, Bafoussam. Alléluia. Ça fait beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme que cet après-midi, nous vous saluons et nous venons avec la bonne nouvelle de la part de l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est le groupe Jésus revient et ce groupe, le Seigneur l'a mandaté pour susciter un mouvement de réveil à l'échelle mondiale afin de préparer l'épouse. Parce que les temps sont finis, voilà que l'Église est encore dans la distraction. L'Église est encore inconsciente des signes de la fin du temps. Donc notre mission à Bafoussam, c'est de pouvoir aussi réveiller ceux qui dorment et pouvoir ramener ceux qui se perdent sur le chemin de la vie, le chemin de la saine doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi à sa suite l'évangéliste Élie de l'église Jésus revient de Bertois, qui a fait un tour du côté de l'Ouest. Il dit qu'il ne pouvait pas manquer à cet événement que nous sommes en train d'élaborer, de développer du côté de Batoun, à Yomtroua, à l'entrée musique, à 300 mètres du goudron. Oui, bien aimé, nous avons commencé un programme à 300 mètres du goudron du côté de l'entrée musique à Batoun depuis samedi le 24. Et nous clôturerons le programme demain. Demain soir à partir de 17h pour clôturer le programme. Mais déjà, ce soir, nous aurons un puissant moment d'écoute et de prière à partir de 17h du côté de Yomtroua à l'entrée musique à 300 mètres du goudron. Donc je vais passer la parole à l'évangéliste Élie qui va vous shalomer, qui va vous saluer ce soir. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Bafoussam et ses environs. Nous vous saluons ce soir dans le beau, précieux et redoutable nom du Roi des Rois, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie ce soir de me joindre avec les hommes de Dieu pour vous transmettre un message salutaire, celui du retour imminent de notre Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Amen. Accrochez-vous et que chacun de vous soit à l'écoute. Amen. Shalom. Bon, ceci étant, il y a notre frère, le frère Abraham de Bafang, qui est là, qui s'occupe des appareils, qui s'occupe des téléphones pour filmer et prendre les vidéos. Donc, il vous passe son shalom, nous passons son shalom de sa part. Bon, ici étant maintenant, nous allons prendre un temps. Notre papa l'apôtre va prier et il va donner le message que le Seigneur a mis sur son cœur pour la région de l'Ouest, pour la population de Bafoussam. Donc toi qui es sous le son de notre voix, prends quelque chose pour noter, lance même l'enregistreur de ton téléphone et ne sois pas distrait. Sûrement le Seigneur a mis un message d'interpellation, de réveil, de réconciliation, un message même de sanctification dans le cœur de notre papa ce soir qui va donc exhorter le peuple de la région de l'Ouest. C'est à lui donc que revient cet honneur. Alléluia, nous rendons toute la gloire à notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui hier nous étions rien, nous étions du monde, nous étions parmi ceux qui marchent selon le trait du monde. Nous étions ceux qui blasphémaient la vérité. Voilà, aujourd'hui, il fait de nous les défenseurs de la vérité. Nous rendons toute la gloire. Peuple de Dieu, de Bafoussam, nous vous envoyons les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tel que tout à l'heure, les bien-aimés vous disaient, vous savez, l'église de Christ, cette église que le Seigneur lui-même s'est acquise au prix de son sang, il l'a établi comme son épouse. Et je sais que qui sur cette terre ne va pas prendre soin de son épouse. Alléluia. Amen. Donc l'Église est cette épouse que le Seigneur au jour le jour prend soin, supporte malgré tous ses défauts, tous ses caractères. Alléluia. Amen. Mais une épouse qui tout le temps ne veut pas changer, ne veut pas se soumettre à son époux serait traitée de mauvaise épouse.
et la communion avec son époux va certainement fragiliser. Alléluia. Amen. Donc, l'objectif de cette rencontre, de cette émission ce soir, c'est de nous entretenir en réalité sur comment l'épouse doit se préparer. Alléluia. Amen. L'épouse, vous savez, il y a l'une des lois, lorsque nous nous marions à l'état civil, on nous demande, tu dois promettre à ton époux la fidélité. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort. Et c'est sur cette fidélité que le maire va sceller l'alliance. Alléluia. Amen. En fait, cela, peut-être, ça peut donner l'aide de quelque chose de naturel, quelque chose de simple. Non, c'est beaucoup plus profond. Ça a une portée beaucoup plus spirituelle. Ça veut dire que la fidélité dans le mariage est très, très importante. Amen. Amen. Donc, l'infidélité est combattue. Soit vrai, dit que c'est la même chose aussi avec notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, à propos de son Église. Quel est l'état de l'Église aujourd'hui? L'Église est-elle fidèle ou l'Église est infidèle? Voilà la grande question qu'on doit se poser. La fidélité de l'Église se traduit certainement par sa soumission. Alléluia, par l'obéissance à la voix de l'époux. Amen. Quel est ce père ou quel est ce mari? Comme j'aime toujours, je voulais toujours passer par cette boutade de mari et de femme. Parce que celui qui comprend réellement les relations entre époux et épouse doit vraiment mieux comprendre ce que nous voulons enseigner ce soir. Alors, l'exhortation que le Seigneur a mis dans nos cœurs, c'est de pouvoir partager ce message avec vous. Ça est intitulé « L'écuménisme dans l'Église à la fin du temps ». Alléluia. Amen. Nous parlons d'écuménisme. Gloire à Jésus. Quand nous parlons d'écuménisme, beaucoup se disent « Mais ça veut dire quoi? C'est quoi ce thème ?» Nous voyons aujourd'hui des mouvements écuméniques, des rassemblements de toute nature. On dit « Bon voilà, Dieu est unique, Dieu comprend Dieu dans toutes les langues. » Il suffit de dire Dieu, là on est ensemble. Alléluia. Amen. Donc un féticheur qui dit Dieu peut prier avec un musulman qui dit Dieu, peut plus avec un chrétien qui appelle Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, ça ne veut rien dire. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a des dieux. Certainement, il y a des dieux sur la terre. Mais il y a un seul Dieu qui a tout créé. Amen. Alléluia. Et Amen. Toute l'adoration doit être à ce Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël que le Seigneur a racheté. En Égypte, dans la captivité, dans la maison de Pharaon. Alléluia. Je vais rapidement lire ce commandement du Seigneur qui va nous introduire en toutes choses. Exode 20. Exode 20, rapidement, nous allons lire pour comprendre en réalité ce que l'intérêt du message de cet après-midi au chaleureux peuple de Dieu ici à Bafoussam. Alléluia. Amen. Exode 20 dit ceci. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Tu ne te feras point tailler, tu ne pourras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui prennent garde à mes commandements. Alléluia. Amen. La première parole que l'Éternel va sortir de sa bouche va dire: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Alors, la question qui se pose, c'est une question de la reconnaissance de qui est ton Dieu. L'Église doit se poser la question: qui je sais? Qui est-ce que l'Église sait? Est-ce Christ ou le monde? Alléluia. Amen. Est-ce Jésus? Est-ce que la lumière ou c'est l'argent? Alléluia. Donc ici, le Seigneur est tellement attaché à cela, attaché à ce commandement. Vous savez, aujourd'hui, ce commandement est déjà bafoué par l'Église, bafoué par les bien-aimés, les chrétiens qui pensent vraiment adorer le véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que nous nous sommes tournés. Quand je dis nous, je parle de l'Église. L'Église s'est tournée malheureusement vers le monde. L'Église s'est attachée au monde. L'Église a laissé le monde s'infiltrer au milieu d'elle. Alléluia. Oh, la Bible dit, n'aimez pas le monde. Alléluia. Car celui qui aime le monde, l'amour de père n'est point en lui. Ça veut dire l'amour de Christ n'est point en lui. Ça veut dire qu'il ne peut plus manifester l'amour de l'époux. Donc quand nous parlons de écuménisme, en réalité, nous faisons recours à ce commandement du Seigneur. Nous faisons recours
aujourd'hui au mélange que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Le monde est rentré dans l'église. Alléluia. Ce que nous voyons, ce que nous décrions dans le monde est venu maintenant dans l'église. L'église qui est censée être le modèle, être la lumière, être celle qui va apporter la vie sur la terre, cette église même a besoin de la lumière encore. Mais si l'église a besoin de la lumière, mais qui va éclairer la terre? Qui va éclairer les païens? Qui va sauver les païens? Qui va dire que ceci est mauvais? Qui va dire que ça c'est de l'idolâtrie? Alléluia. Amen. Donc l'idolâtrie s'est glissée subtilement dans les pratiques à l'église aujourd'hui. Voyez, aujourd'hui c'est pas différent de voir ce qui se passe dans le monde. Quand je parle dans le monde, je veux parler par exemple voilà les marabouts. Il y a des pratiques de maraboutage dans l'église aujourd'hui. Alors avec des actions même qui font peur. Alléluia. Amen. Voyez, l'occultisme est entré dans l'église. Alors l'homme a la quête du pouvoir. Alléluia. Et la quête de ce pouvoir, de cette influence, alléluia, de cette domination, pousse l'homme maintenant, pousse les dirigeants de l'église, pousse l'église à aller faire recours au monde. Or, l'époux a tout. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et vous y va suivre, vous êtes le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'écuménisme, qu'est-ce qui entraîne toutes ces choses-là? C'est quoi l'écuménisme? Amen. Aujourd'hui, il y a plein de mouvements aussi qui se réclament écuméniques et qui se glorifient, pensant que oui, bon voilà, pourvu que nous puissions instaurer une religion de paix, pourvu que voilà mon bien-aimé évangéliste Barajès, bon lui est de telle obédience religieuse et l'évangéliste Élie qui est peut-être un musulman et le bien-aimé Abraham qui est peut-être certainement un animiste. Alléluia. Pourvu que nous tous nous puissions adorer Dieu en paix ensemble. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment la lumière peut s'associer aux ténèbres? Qu'est-ce que l'islam a cherché dans le christianisme? Qu'est-ce que l'animisme a cherché dans l'église? Alléluia. On veut tous faire en commun. Parce qu'au nom de la tolérance, au nom de la paix. Alléluia. C'est pourquoi nous condamnons fermement tous les mouvements qui prône ce genre de message. Voyez, la paix, nous appelons la paix, nous appelons la tolérance, voilà, n'empêchons pas l'autre d'adorer Dieu. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'empêcher l'autre, il s'agit de... Quel Dieu? De pouvoir motiver l'autre. Alléluia. La bonne question c'est, quel Dieu nous adorons? Oh yes. Est-ce que c'est le même Dieu? Oh yes. La femme qui a été dédiée ou bien préparée pour être épousée. Alléluia. Et a été officiellement épousée. Elle est mariée. Est-ce qu'elle va se payer encore d'avoir des amis, des hommes? Elle va pour dire non, bon, voilà, nous, voilà, ce sont les amis, on peut tout le temps échanger. Non, c'est des signes de l'infidélité. Mais c'est ce qui arrive dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'église est sortie de sa vocation. L'église est sortie du message que le Christ lui a donné. L'église, en réalité, s'est endormie. L'église, aujourd'hui, ne joue plus le rôle de veille. L'église s'est laissée infiltrer par les loups. Alléluia. Et ce sont les loups aujourd'hui qui enseignent à l'église. Et c'est ce que Jésus va dire à cette église de Thyatire. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Apocalypse 2. Rapidement, nous allons lire pour comprendre en réalité ce que le Seigneur veut nous faire part. Il y a aussi l'église de Laodicée aussi, pareil. Amen. Amen. Regardez bien ce que Jésus va dire à l'église de Thyatire. Apocalypse 2, verset 12. Il dit ceci. Écrit à l'homme de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain d'Adam. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, épouse, écoute bien, c'est que tu laisses la femme Jézabel, alléluia, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Yes. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, afin qu'elle se répandit, et elle ne veut pas se répandir de son impudicité. Alléluia. Mm. Regardez ce que le Seigneur va dire à cette église. Il va dire que l'église a laissé s'introduire au milieu d'elle Jézabel. Quand on parle de Jézabel, on parle de tout le système de Jézabel, l'influence. C'est ça. Alléluia. Avec ses gadgets. C'est ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des mouvements comme on dit l'égalité entre l'homme et la femme. Mm-hmm. L'égalité entre l'homme et la femme a poussé à ce que l'homme peut s'habiller, la femme peut s'habiller comme un homme. Et l'homme comme une femme. Alléluia. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, beaucoup aujourd'hui
malheureusement, se sont laissés infiltrer, se sont laissés ingurgiter ces semences, ces semences diaboliques, ces semences qui viennent directement de l'enfer dans l'église. Alléluia. Donc l'église ici maintenant n'est plus fidèle. C'est pourquoi il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. L'impudicité est rentrée dans l'église. C'est vrai. Alléluia. Amen. L'épouse est infidèle, l'épouse est impudique. L'épouse est souillée avec Jézabel. L'épouse est souillée avec le monde. L'épouse doit revenir à Christ. Yes. Alléluia. Église, tu dois revenir. Tu dois revenir à ton premier amour. Alléluia. Le Seigneur dit, je connais tes promesses. Tu étais comment, église, au départ? Quelle est cette église que Jésus a laissée? Ce n'est pas une église remplie d'amour, remplie de sainteté, remplie de la crainte de Dieu. Mais où est la crainte de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Amen. L'église qui est censée dominer, influencer le monde, mais c'est le monde qui la domine, mais c'est le monde qui l'influence, c'est le monde qui lui apprend en réalité ce qu'il doit enseigner. Alléluia. Amen. Pareil aussi pour l'église de Sardes. Regarde ce qu'il va dire, Apocalypse 3, le verset 1er, il dit, et qui allant de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, pareil comme l'église de Thyatire. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises aujourd'hui pensent être vivantes. Il y a de bruit dans les églises, il y a la joie, voilà, tout le monde saute, tout le monde, il y a l'ambiance, on bâtit des bâtiments, voilà, on gagne des âmes. Mais on pense qu'il y a la vie, mais en réalité, Jésus dit non. Jésus dit, bon, de telle église, mais il n'y a pas la vie. Cette église, en réalité, alléluia, cette église, en réalité, est considérée morte selon le Seigneur. Le Seigneur voit cette église comme une église morte. Alléluia, bien aimé, l'église dans laquelle tu es, est-ce que l'église est vivante? Est-ce que cette église n'est pas morte? Est-ce que cette église ne porte pas de semences? Alléluia du monde. Il dit ceci. Il dit, sois vigilant et affermis le reste. Parce que, effectivement, presque tout est pourri dans l'église aujourd'hui. Vérité. Alléluia. Ah, yes. La sainte doctrine est dévouée aujourd'hui. Mm. Personne ne veut plus revenir à cette vérité. Vérité. Mm. Aujourd'hui, on va demander aux gens que, les mèches conduisent en enfer. Que le dépouillement, la sanctification sont le chemin, sont les exigences du salut. On dit, non. Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur. Voyez, tout ce message, ça vient d'où? Ça vient d'où? Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de notre corps? La Bible dit que notre corps, n'est-ce pas, est le temple du Saint-Esprit. Exactement. Si notre corps est le temple, c'est allons livrer les membres de ce corps à l'impudicité, à l'iniquité. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Mm. L'Église s'est trompée littéralement. L'Église s'est trompée en réalité de son Dieu. L'Église s'est tournée vers le monde. Alléluia. Et l'œcuménisme a pris le dessus. Et les enfants de Dieu sont égarés. Le diable a bâti son trône dans l'église de Christ aujourd'hui. L'église de Christ maintenant devient maintenant. Oh là, on enseigne les profondeurs de Satan. On n'enseigne plus Christ à l'église. Vérité. Alléluia. On n'enseigne plus la vie à l'église. Mais on enseigne le monde. On enseigne la prospérité. On enseigne les choses qui font du bien à la chair. Mais les choses qui font du bien à l'âme, on ne l'enseigne plus. Vérité. Alléluia. Les temps sont finis. Les temps sont finis, c'est pourquoi? Amen. Ce message est un message pressant pour amener l'église à la vérité, pour amener l'église à la fidélité, pour que l'église comprenne, que ouvre les yeux pour savoir, oui, qu'il y a déjà le danger. Il y a le fait, il y a le fait dans le fruit, il y a la mort, dans le pont. L'église doit pouvoir se dépouiller de toutes ces choses et revenir à la vérité. L'église doit libérer les semences d'écuménisme. Amen. C'est ce que Jésus m'a dit à cette église. On voit qu'il y a la joie, qu'il y a l'ambiance dans l'église, mais selon le Seigneur, l'église est morte. Il n'y a pas la vie dans cette église. Bien-aimé, toi qui m'entends, dis-moi, quel est l'état de ton église actuellement? Est-ce que tu as jamais prié, dit Seigneur, révèle-moi l'état de mon église. C'est vrai, tout va bien. Voilà, le pasteur, il y a de belles voitures. Notre église est carrelée, climatisée. Il y a du monde, voilà, nous prêchons, nous dansons, nous louons. Bien-aimé, dis-moi, est-ce que tu as jamais posé la question? Est-ce que tu as jamais demandé au Seigneur, révèle-moi l'état de mon église? Est-ce que mon église n'est pas l'église de Sardes? Est-ce que mon église n'est pas l'église de Thyatire? Bosse, bien-aimé, c'est l'appel pressant que tu dois te poser. Amen. Et ce message vient pour nommer, pour te réveiller. Pour te réveiller de ton sommeil. Pour te réveiller à ce que tu t'examines. Pour voir que si tu es encore dans la foi. Pour voir que si tu es encore dans la vérité. Jésus dit, si je revenais, est-ce que je trouverais encore quelqu'un de la foi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont encore dans la sainte doctrine? Est-ce qu'il y a encore des églises qui continuent encore à défendre la sanctification? Mmh. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des églises qui vont continuer encore à chasser Jézabel? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on laisse Jézabel. On donne une place exceptionnelle à Jézabel dans l'église. Jézabel maintenant vient occuper le trône dans l'église. Alléluia. Jézabel doit sortir de l'église. Amen. Jézabel et sa troupe doivent sortir de l'église. Amen. Le semen de Jézabel doit être libéré de l'église. Non, la fureur
arrêter la sanctification. Le déploiement va revenir comme les chaînes. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Peuple de Dieu, ce message vient directement du ciel. Afin de regarder ce qui se passe, bien aimé. Regardez, si Jésus revenait aujourd'hui, quelle église Jésus va prendre? Quel genre d'épouse Jésus va prendre? L'époux qui est consciente que les temps sont finis. L'époux qui est consciente que le jour se lève. Mais l'époux continue à dormir. L'époux continue à sombrer. Et sera réveillé trop tard. Bien aimé, il s'agit de toi. Alléluia. Amen. C'est tellement les hommes de Dieu aussi vont ajouter pour nous. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, apôtre de Jésus. Alléluia. Amen. Ce message, un message très puissant. Un message qui alerte l'église, qui dit retour au fondement. Amen. C'est pourquoi nous avons nommé notre mission ici à Bafoussam le rétablissement de toutes choses. Amen. Parce que le Seigneur appelle son église au retour au fondement. Amen. J'aimerais lire un verset pour confirmer tout le message qui a été donné par les hommes de Dieu et en l'occurrence l'apôtre Paul. Dans Matthieu 24, le verset 15, le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi, d'abord il parle de son avènement, il dit ceci. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'établit en lieu saint que celui qui lui fasse attention. Nous sommes venus aujourd'hui dire à l'église de Bafoussam de faire attention. Parce que l'abomination se trouve aujourd'hui dans le lieu saint. Il y a aujourd'hui des guerres entre hommes de Dieu. Il y a aujourd'hui des divisions. Il y a aujourd'hui des guerres d'autorité. Et on aurait voir que des hommes de Dieu qui devaient s'unir pour la vérité, pour la sainte doctrine, pour élever l'étendard de la sanctification dans ces régions, se sont lancés dans une quête. C'est comme si l'église est devenue un endroit de commerce où on vend des bouteilles d'eau à des millions, on vend des huiles d'onction, on vend des choses aux gens. Ce qu'on touche, les marabouts, c'est ça qui est venu dans l'église. C'est l'abomination. Est-ce que Jésus a demandé à ce qu'on vende? Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Exactement. Et il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, nous disons en ce moment, vous qui êtes dans les tiers églises, on ne vous enseigne jamais le retour de Jésus. On ne vous a jamais enseigné la divinité de Jésus. On ne vous enseigne pas de vous dépouiller, de vous sanctifier. On ne vous dit pas que les temps sont mauvais. Bien aimé, fuis en courant. Tu dois fuir. Le Seigneur lui-même dit, ceux qui sont en Judée, ils doivent fuir dans les montagnes. Les montagnes ici sont les lieux de refuge. Alléluia. Le Seigneur nous a envoyé pour donner le lieu de refuge. Alléluia. Le vrai lieu de refuge se trouve en Jésus. Alléluia. Le Jésus de la sainteté. Amen. Le Jésus de la vérité. Amen. Le Jésus qui libère. Amen. Le Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Toi qui m'écoutes actuellement, tu es un homme de Dieu. Tu as reçu un appel de Dieu. Mais tu ne sais pas comment faire pour servir le Seigneur. Le Seigneur est en train de te dire que c'est le temps. Tu dois suivre tes frères qui sont venus pour t'annoncer la repentance, pour t'annoncer la vérité. Nous sommes le groupe Jésus revient. Et notre mission, c'est de sonner la trompette dans les nations. Amen. Et de parler de la retour, du retour imminent de notre Seigneur Jésus à toutes les nations de la terre. Pour finir et laisser les autres hommes de Dieu, je vais prendre le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Aujourd'hui, le message de l'avènement du Seigneur est devenu quasiment inexistant. On se demande même où se trouve Jésus dans les églises. On va à l'église, l'église est glacée, l'église ne parle même pas de Jésus. On parle seulement des choses inutiles de la vie. Alléluia. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lèvres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. C'est ça. D'aucune manière. Église de Bafoussam. Église de la région de l'Ouest. Église de l'Ouest. Église de l'Est. Église du Sud. Église du Nord. Église du Centre. Église du Cameroun. Que personne ne te séduise. Amen. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Cet homme du péché se trouve aujourd'hui dans l'église. C'est de ça que le Seigneur parle dans Matthieu 24. Il dit l'abomination de la désolation se trouve en lieu saint. Cher homme de Dieu, le Seigneur nous demandera le compte.
lorsqu'il viendra chercher son église, il va nous dire, qu'est-ce que vous avez fait de mon église? Qu'est-ce que vous avez ce que je vous ai confié, le troupeau que je vous ai confié, tu as 2 brebis, 3 brebis, 4, 5, qu'est-ce que tu en as fait de ce troupeau que le Seigneur t'a confié? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons fait un long voyage. Certains parmi nous ont quitté le Bénin, d'autres ont quitté Yaoundé, d'autres ont quitté Bétoua, d'autres ont quitté Douala, d'autres sont ici même à Bafoussam. Et nous sommes là pour vous éclairer par la lumière que nous avons aussi reçue du Seigneur Jésus. Amen. Si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur parce que le Seigneur t'appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus, je voulais rappeler ceci à l'homme de Dieu. Vous qui avez reçu le troupeau, vous perdre. Regardez bien ce que Jésus va dire dans les derniers messages qu'il donnait à ses disciples. Nous sommes tous dans le livre de Matthieu 24. Dit ceci. Matthieu 24, verset 45. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle? Demande la fidélité. Alléluia. Amen. Un prudent qui sait discerner les signes des temps. Ah. Qui sait que l'époux arrive. Qui sait que, attention, ce qui se passe doit nous éveiller. Oui. Alléluia. Amen. Que sont maintenant établis sur les champs. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quelle est la nourriture qui est donnée à ce temps? Quelle est cette nourriture qui est donnée à cette génération? N'est-ce pas la prospérité? N'est-ce pas le mariage? N'est-ce pas les choses terrestres? Verset financier. Alléluia. Voyage pour aller où? Tu es encore sur la terre. Tu es encore sur la terre. Alléluia. Bien-aimé fidèle, bien-aimé serviteur de Dieu, reviens au message. Reviens au message de la Sainte Doctrine. Amen. Il faut chasser les cumulus de l'église. Amen. Il faut amener l'église à la vigilance. Amen. Le Seigneur dit, sois sobre. Veillez, parce que le diable, l'ennemi, de l'adversaire, rôde autour de l'église. Il a déjà percé. Il a percé les murs de l'église. Il est en train de s'introduire avec sa venin. Il est en train d'endormir les enfants de Dieu. Serviteur, berger, ce message est particulièrement pour toi. Tu dois te réveiller et réveiller la vérité. Tu dois prêcher la vérité en tout lieu. Prêche en tout lieu, bon ou mauvais. Alléluia. Amen. Ne regarde pas la face des hommes. Alléluia. Amen. Ne regarde pas, ne prêche pas un message que les hommes vont aimer. Oui. Cette génération n'a plus besoin de message qui va l'aimer. Mais un message qui va le changer. Amen. Un message qui va la transformer. Amen. Le message de la répentance. Jésus. Certainement le prophète Moïse devait ajouter quelque chose. Gloire à Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur premièrement pour la population de la région de l'Ouest et tous ceux qui l'entourent. Je bénis également le Seigneur de Christ pour ses enfants. Toi qui es oppressé, toi qui es opprimé, toi qui es rejeté à cause de la vérité que le Seigneur t'a communiquée. Oui, je vais te dire quelque chose en ce moment, que tu n'es pas le seul dans cette situation-là. Car comme le Seigneur Jésus nous l'a bien dit dans sa parole, le monde ne peut aimer cela en qui habite la vérité. C'est clair. Le monde ne peut pas t'aimer. Ta famille va te rejeter, plusieurs vont te rejeter à cause de cette vérité. Même l'église va te rejeter. Celle-là qui ne connaît pas la voix de Dieu, celle-là qui ne suit pas la voix de Dieu, celle-là qui ne suit pas l'esprit de Dieu, va te rejeter. Vérité. Parce que tu n'es pas de leur milieu, parce que tu n'es pas de leur monde, parce que tu n'appartiens pas à leur système. Parce que tu vas rejeter le faux, lui qui pratique dans ces églises-là, et ils vont te rejeter. Je vais te dire, oui, que le Seigneur a encore réservé. Il a encore réservé un petit reste. Il a encore réservé un petit reste qui croit encore à la vérité. Qui pratique encore la vérité. Qui aime encore la vérité. Et qui sont prêts à mourir pour la vérité. Alors si toi, tu es décidé à mourir pour la vérité. Si tu es un amoureux de la vérité. Un amoureux de la sainte doctrine. Un amoureux de l'œuvre de Dieu. Amen. Et tu te dis aujourd'hui, tu as encore des frères sur qui tu peux compter pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu t'a destiné. Alléluia. Je te dis en vérité, Alléluia. En vérité, nous sommes le groupe international d'évangélisation Jésus revient, qui a ouvert ses portes à Bafoussam. Oui, il y a là déjà un an, quelques mois, nous sommes dans la ville de Bafoussam et nous œuvrons pour envahir l'Ouest. Alléluia. Pour envahir l'Ouest avec la vérité. Car aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons du théâtre. Nous voyons des choses que le Seigneur n'a pas prescrites. Les choses qui se passent, qui n'est même pas écrit dans la distraction. Parole de Dieu. Les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est passé dans nos églises. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il nous demande de revenir au fondement. Amen. Il nous demande de revenir au fondement. Amen. Aujourd'hui, plusieurs se plaignent que le pays aujourd'hui va mal. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Si nous regardons seulement nos dirigeants, c'est que nous avons perdu la vue. Regarde d'abord à toi-même. C'est ça. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi-même d'abord? C'est pour ça. Pour que le pays change. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour que le pays change? Mais je vais te dire que c'est à cause de ton péché que le pays est... C'est comme ça. C'est à cause de ton péché que le pays est dominé par les mauvais esprits. C'est ça. À cause de ton pays, même que le gouvernement est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Parce que
Moi, je sais que si tu es enfant de lumière, c'est que ta lumière va éclairer tout le camp. Parce que Dieu veut une seule personne. Et si tu es prêt à suivre le Seigneur, il va le faire avec toi. Amen. Je te le dis en vérité, en vérité. Amen. Donc je vais te lire cette parole que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, ce sera le livre d'Ézéchiel. Au verset 40, Ézéchiel 40, au verset chapitre 1. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville. J'aimerais dire, ça, j'aimerais un peu illustrer ceci. Le Seigneur nous parlait de la ruine de la ville de Bafoussam ou de la région de l'Ouest, ou du Cameroun même tout entier. Oui, mais voilà ce qu'il va nous dire. La main de l'Éternel fut sur moi. Bafoussam, région de l'Ouest, Cameroun entier, la main de l'Éternel est sur toi. Alléluia. La main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus. Et il me transporta dans le pays d'Israël. Le Seigneur va me transporter dans cette ville. Il va transporter ses serviteurs dans cette ville. Il va transporter plusieurs autres personnes qui aiment la vérité dans cette ville. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour t'interpeller? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour te dire? Qu'est-ce qu'ils vont te dire de la part de Dieu? Est-ce qu'on va te dire dans ton église, elle vient de Dieu? Est-ce qu'on va te dire dans ton église, elle vient du Saint-Esprit? Est-ce qu'on va te dire dans ton église, elle vient réellement? Lui, de celui-là qui a créé le monde entier. Lorsqu'on te dit dans ton église que Dieu regarde au cœur, il n'y a pas ton corps. Est-ce que cela vient de Dieu, mon bien-aimé? Donc, on dit que les faux cheveux que tu mets sur la tête pourront te conduire, ne pourront pas te conduire en enfer. Est-ce que cela vient de Dieu? On dit bien faux cheveux, mais c'est ce que tu mets. Faux homme, c'est ce que tu mets. Faux teint, c'est ce que tu mets. Est-ce que Dieu est un faux Dieu? Pour toi, tu l'adores avec ce qui est faux sur ton corps. J'aimerais te dire une chose. Reviens au fondement, qui est la sainte doctrine de Jésus-Christ. Qui est ce que les apôtres nous ont enseigné. Amen. Ce que les prophètes ont enseigné et ce que Jésus-Christ, même la pierre angulaire, a laissé comme héritage à ceux-là qui le servent en esprit et en vérité. Amen. Certainement, nous allons demander à l'homme de Dieu, l'évangéliste Balagès, qui va nous donner l'adresse. Oui, bien aimé, voilà. Je vais donner l'adresse du lieu de rencontre tout à l'heure à partir de 17h. Ça va se passer du côté de Badjoun Yom 3, à l'entrée musique. À 300 mètres du goudron. Oui, bien aimé, nous voici déjà au troisième jour de cet événement. Demain sera le quatrième jour. Mais bien aimé, il y a un mystère que je vais te dire dans le chiffre 3. Troisième jour, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Le chiffre de la résurrection, de la puissance. Alléluia. Donc toi qui es sur le son de ma voix ce soir, bien-aimé, tu es invité à ce programme. Un programme de rétablissement, Amen. D'éveil, Amen. De réveil, Amen. Et même de prise de conscience, Amen. Bien-aimé. Parce qu'il est question de ce que l'épouse se rejette tout ce qui ne glorifie pas l'époux. Le monde ne nous enseigne-t-il pas? Quand on voit pendant la célébration des mariages, si l'épouse se renverse, on va changer sa robe. Bien aimé, mais quel est donc ce Dieu qui va chercher, qui va venir prendre une épouse souillée, impure, remplie d'impunicité, remplie de mondanité, comme l'église que nous voyons aujourd'hui. Que cette église se dépouille, qu'elle change sa robe, Amen. Pour être prête pour le mariage, Amen. Pour la célébration de la noce. Alléluia. Église de l'Ouest, il est question de revenir à ton Créateur, de revenir à Jésus-Christ. Si tu dis que tu es le corps, pourquoi n'obéis-tu pas à la tête? Quelle est cette église qui n'obéit pas à la tête? Le corps prend une autre direction et la tête lui montre une autre direction. C'est tout sauf l'église. Ça devient un fantôme. Bien-aimé, il est question de ce que l'église qui se dit corps de Christ obéisse aux ordres que la tête donne. Amen. Pour être conforme. Pour être conforme et honoré. Bien-aimé, si tu es sous nos devoirs aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu es au courant que le temple d'Israël est fini? On a fini la construction du temple d'Israël. Je m'adresse à l'église de la région de l'Ouest. Vous savez ce que ça veut dire? L'homme impie va sortir, se manifester et s'asseoir dans le temple d'Israël. Très bientôt. Mais avant de faire ça, l'église sera déjà enlevée. L'idée de Thessaloniciens 2 que mon frère vient de lire tout à l'heure. Je te fais lire du verset 1 au verset 7, tu vas voir. Quand le Saint-Esprit monte avec l'église, l'homme impie sort, il se manifeste et il s'assoit dans le temple. Et le temple est fini d'être bâti. Tu sais ce que ça veut dire? L'homme impie va se manifester. Et l'église sera déjà partie. Est-ce que tu es donc prêt? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Chaque jour, quand tu te lèves de ton lit, pose-toi la question, si je mourais là maintenant, où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai? Bien-aimé, il est question de revenir à Dieu.
Laisse les pasteurs bonbons, les pasteurs choco, ils s'habillent comme les enfants de Jézabel. Les pasteurs avec les pantalons collés, les vestes serrées, les chemises séduisantes. Pour faire tomber les choristes, pour faire tomber les filles de Dieu dans l'église. Ils sont adultères, ils n'ont même plus honte. Ils sont devenus des chiens dans les églises. Ils sont retournés à ce qu'ils ont rejeté hier. Au nom de la cupidité, on vend tout. Vous êtes fan des marabouts en quoi? En quoi? Vous êtes fan des marabouts en quoi? Vous vendez tout. Vous vendez les mouchoirs prophétiques, cailloux prophétiques. Vous avez vu le modèle où? Chez qui? Vous avez vu ça où? Donc ils vont jusqu'à enlever les vestes et découper en pièces. Action prophétique. Dieu parle de le manteau de la richesse. Qui vous enseigne ça? Qu'est-ce que la parole dit? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si Dieu te permet de le servir dans la faim, glorifie le Seigneur. Parce que même la faim est venue pour te transformer et t'enseigner le contentement. Je parle à un pasteur qui est devenu corrompu. Parce qu'il est, il combat maintenant pour son ventre. Il ne défend plus la vérité. Tu as quitté la ligne de la vérité. Tu t'es attaché à l'évangile du ventre. Vous faites les effets, vous faites sens dans les églises. Les gens sautent partout. On crie Amen en désordre. Toi qui crie Amen, tu t'accordes à quoi? Quand on dit Amen, ça veut dire que c'est une parole qui vient bénir ton âme, sauver ton âme des ténèbres. Mais aujourd'hui, on dit Amen sur n'importe quoi. C'est devenu le théâtre. L'évangile ne vient pas exciter les gens. L'évangile vient te faire prendre conscience de rejeter ce qui est des ténèbres et de revenir à ton Dieu. C'est ce que l'évangile vient faire. Peuple de l'Ouest, Jésus est en colère contre toi. Il est en content pour toi. N'attends pas que son châtiment s'abatte sur toi avant que tu reviennes à la maison. J'ai dit Cameroun, depuis 2015, je t'avertis. Le Seigneur t'aime bien. Mais si tu continues ta rébellion, tu n'échapperas pas à la destruction. Je te le promets, si tu continues, le Seigneur me dit de te dire, toi, église du Cameroun, reviens à lui. Reviens à ton Seigneur. Depuis 2015, je ne peux que t'interpeller. Alléluia. Les signes, nozo, aujourd'hui pas du nozo, ce ne sont que les signes annonciateurs de la colère de Dieu. Lisez, il dit dans Jérémie 1, je ferai venir le malheur sur la nation. De quel côté? Du septentrion. Du septentrion. Le côté nord du Cameroun, c'est où? C'est l'extrême nord. Vous connaissez ce qui se passe là-bas avec vous, Guaram et les autres. Maintenant, le côté nord de la région de l'Ouest, c'est où? C'est le nord-ouest. Et nous connaissons ce qui se passe là-bas. Avec les Amazoniens et tout. C'est encore les avertissements. Cameroun, repens-toi. Alléluia. Repens-toi. Dieu en a marre de ta rébellion. Écoute, bien-aimé. Si Dieu utilise l'amour pour te ramener, tu refuses. Il va utiliser le châtiment. Fouet. Il va utiliser le fouet. C'est ça. Il va entrer dans l'église avec le fouet. Ça. Et il va fouetter comme il a fait hier. Toi qui es sur le son de ma voix, apôtre, pasteur, vous qui êtes président des congrégations, archibishop, vous avez tous les titres, mais vous laissez la parole de côté. Vous donnez même les titres qu'on ne voit pas dans la Bible. Quelqu'un en même temps, apôtre, docteur, prophète, machin, tout ça, tu as vu ça où? Vous vous inspirez les choses mondaines, exactement comme les artistes comédiens. Vous faites les jonctions et les agencements des titres. Vous avez appris ça où? Qui vous enseigne ça? Repentez-vous. Les temps sont finis. Amen. Gloire à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimé, le Seigneur t'invite. Toi qui portes le joug, le fardeau. Voilà, le Seigneur t'invite à ce programme. Amen. Tu as tellement brisé les liens de majesté. Tu as cassé les canaries. Tu as renversé les autels, mais tu es toujours opprimé. Amen. C'est parce qu'on ne t'a pas révélé la vérité. Alléluia. Amen. La vérité, c'est le péché qui te ronge. La vérité, c'est le péché qui te ruine. La vérité, c'est le péché qui te tue. Bien-aimé, reviens. Amen. Viens à ce programme. Alléluia. Le Seigneur va déchirer le voile. Alléluia. Il va te restaurer et tu vas entrer dans l'arche. Alléluia. L'arche de la vie éternelle. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui est fait. Je bénis les hommes de Dieu, prophète Moïse, l'évangéliste Boanezès et l'apôtre Paul, alléluia, qui nous vient du Bénin. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur nous a donné un message très important. Et l'Église doit savoir qu'il est temps qu'il revienne sur les bases fondamentales sur lesquelles elle avait été déjà posée. Alléluia. Paul pouvait dire aux Galates, dans Galates 5, Galates, qui vous a fasciné? Voilà. Qui vous a fasciné? Vous, devant qui Christ a été peint? Fasciné veut dire vous avez, c'est ça. Vous avez commencé par l'esprit et vous êtes en train de finir par la chair. Revenez à Christ. Amen. Revenez à la sainte doctrine. Amen. Revenez au message de la croix. Alléluia. Revenez à la vérité authentique de Dieu et vous aurez le salut de vos âmes. Amen. C'était le pasteur Apollos. Je vais laisser
l'homme de Dieu qui va nous donner les informations, les numéros que vous pouvez appeler pour le prophète Moïse. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Une fois de plus encore, je bénis le Seigneur Jésus. Oui, pour toi qui étais touché par la parole, pour toi qui étais touché par ce message, car ce n'est pas la durée ou c'est pas la durée du message, c'est pas la durée ou la longueur qui passe, qui donne le salut, mais c'est le peu de mots que tu as écouté, et c'est ce que ça a fait en toi qui te donnera le salut. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La sainte doctrine. Ce que tu as entendu a produit en toi, oui, une chose merveilleuse que tu aimerais t'imprégner davantage pour le salut de ton âme. Pas pour les richesses périssables, pas pour autre chose, mais pour le salut de ton âme. Tu pourras simplement nous appeler sur le numéro au 652 99 55 28. Au 652 99 55 28. Le 652 99 55 28. Tu peux aussi également appeler pour Orange le 696 72 54 20. 696 72 54 20. Donc je vais aussi laisser l'homme de Dieu quand tu peux nous donner son contact. Oui, bien-aimé, je suis votre serviteur, l'évangile de Boanerges. Je vais dire à quelqu'un, ça se passe tout à l'heure. Si tu veux écouter la vérité qui va libérer ton âme, qui va te sortir de la captivité des ténèbres. Bien-aimé, c'est tout à l'heure du côté de Badjoun, à Yomfroa, à l'entrée musique, 300 mètres du Goudron. Et nous aurons aussi, bien-aimé, des moments de temps d'écoute et de prière intense. Déjà, je réponds au numéro 674. 74, encore 53 et 32. 674, 74, 53, 32. Et pour Orange, c'est le 690, 94, 50, 29. Alléluia. 690, 94, 50, 29. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Jésus, les élus de Dieu. Amen. En prêchant le message de la sainte doctrine. Alléluia. Tout le message de la sainte doctrine. Alléluia. Jésus, nous sommes sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Si tu vas sur Facebook, tu peux rapidement intégrer nos groupes, nos forums. Le groupe Jésus revient. Jésus revient. Voilà, le groupe Jésus revient. La trompette qui sonne. Il y a le groupe Jésus revient. Il y a aussi la page Jésus revient TV. Oui, pour suivre nos directs. À YouTube. Voilà, YouTube aussi. Oui. Tu peux aller sur YouTube en tapant Jésus revient TV. C'est ça. Aussi, nous avons une chaîne de télévision qui fonctionne sur des boxeurs gratuits. Oui, alléluia. Oui, oui. Tu vas dans ton box et tu fais la mise à jour de ton décodeur et tu vas chercher Jésus revient TV. Jésus revient TV. Alléluia. C'est un feu qui est allumé depuis le ciel. Rien ne pourra l'éteindre. Au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus
Père, dans le nom de Jésus, je te prie, tout ce que tes enfants ont entendu, Seigneur, papa, transforme-les en vie dans leur cœur, afin qu'ils reviennent à toi, afin que le peuple de Bafoussam, oh, change, change, réforme ses voies et revienne de tout son cœur à toi, Père. Je sais que tu as un grand projet pour Bafoussam. Seigneur, le projet que tu as, Père, accomplis-le pour cette belle région, Seigneur. Père, je te prie que ce programme, tous ceux qui sont dans les souffrances, tous ceux qui portent des fardeaux, Seigneur, amène-les, attire-les à ce programme, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés, que la vie soit restaurée, que ton épouse se prépare pour le grand retour, Seigneur Jésus. Père, nous te disons infiniment merci. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.